Tripti bhajata sadaiva
Pande Guroshi Charanadaminda Siddhartha Matavayura Para Mathurya Lila Gunarupa Namnam Siddhartha Matavayura Para Gunarupa Namnam Pratiksha Nasva Dhanarulupasya Pande Guroshi Charanaravindam Pratiksha Nasva Dhanarulupasya Pande Guroshi Charanaravindam Nirunja Yuno Radhike Nisithar Yayali Pirapekshaniya Nikunjayu Norati Kelisichai Yayari Giryu Pirapekshaniya Katrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guroshi Charanaravindam Tatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guroshi Charanaravindam Sakshatharitve Nasamastra Shastray Yuktastatha Bhavyata Eva Sadvi Sakshatharitve Nasamastra Shastray Yuktastatha Bhavyata Eva Sadvi Kintu Praporya Priya Eva Tasya Vande Guroshi Charanaravindam Kintu Praporya Priya Eva Tasya Vande Guroshi Charanaravindam Yasa Prasada Bhagavata Sada Yasya prasadam nagati kutopi Yasya prasadam bhagavat prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Yayastu vamstasya yashastri santyam Vande Guroshi Charanaravindam Vayastu vamstasya yashastri santya Vande Guroshi Charanaravindam Vande Guroshi Charanaravindam Vande Guroshi Charanaravindam Vande Guroshi Charanaravindam Vande Guroshi Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacadishatadine Namaste Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shiva Sadi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama. Shri Radha Parishishvara Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Suta Ki Jai Shri Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrughna Ayodhya Dham Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Gaurang Nitai Gosai Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Tudla Odevada Samre Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militangena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitana Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyae Vachaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swami Nittinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 नाम हरिनाम एव केवलं खलु नस्त्येव 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 गतिरन्यतः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Quatrième chant, 19e chapitre, à partir de verset 11. Charame nashvame thena yajamane yajush patim vainye yajna pashum spartham apovaha tirohita. Traduction. Alors que Prithu Maharaj offrait le dernier sacrifice du cheval Ashvamedha Yajna, le roi Indra, se rendant invisible, ravit l'animal destiné à être immolé. Il agit ainsi parce qu'il ressentait une profonde envie à l'égard du roi Prithu. Tenant et porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. On désigne parfois le Indra par les mots Shatakratu, ce qui donne à entendre qu'il a offert 100 sacrifices de chevaux, Ashvamedha Yajna. Sachant toutefois que les animaux immolés au cours du Yajna n'étaient pas tués, si au cours de la cérémonie les mantras védiques étaient prononcés convenablement, l'animal obtenait un nouveau corps. Voilà à quoi se juge la réussite d'un tel yajna. Comme le roi Prithu voulait en accomplir 100, Indra devint très envieux, car il ne voulait pas être surpassé. Du fait qu'il était un être ordinaire, il devint envieux du roi Prithu, et, se rendant invisible, il ravit le cheval, faisant ainsi obstacle à l'accomplissement du yajna. Merci. Donc, nous continuons l'épisode de sacrifice qui était entamé par Prithu Maharaj. Donc, ça devait être son 100e sacrifice de cheval, appelé Ashvamedha Yajna. Mais dès que le roi du ciel, Indra, a su qu'il ne sera pas seule personne qui a déjà accompli 100 Ashvamedha Yajna, il est devenu très jaloux et il a voulu absolument empêcher Prithu Maharaj d'accomplir ce yajna. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est devenu invisible et il a volé le cheval de sacrifice. Donc, comment il a osé de le faire ? Commençons par ça. Comment il a osé de le faire ? Parce que lui-même, il savait que Prithu Maharaj est une manifestation de Dieu, la personne suprême. Deuxièmement, quand Prithu Maharaj était né, quand Prithu Maharaj est apparu sur la terre, il était parmi les premiers qui est venu, qui a rendu ses hommages à Prithu Maharaj en lui offrant des cadeaux, etc. Donc, ce n'est pas qu'il ne savait pas qui est Prithu Maharaj. Et pourtant, malgré toute cette connaissance, il a commis cette erreur. Quelle était la cause de cette erreur? Krishna explique dans la Bhagavad Gita, Arjuna, il dit que ton
éternel ennemi, c'est la concupiscence. Donc, c'est la concupiscence qui nous pousse à faire quelque chose, comme dit Arjuna, que nous faisons malgré notre volonté. Même si on ne veut pas le faire, et pourtant on le fait. En fait, comment ça se passe? C'est que vous savez bien que l'intelligence guide le mental. Mais pour que entre l'intelligence et le mental établisse un lien, il faut que le mental soit toujours contrôlé et toujours paisible. Il ne faut pas aller, laisser que le mental soit excité. Donc, à quel moment le mental devient excité? Souvent, quand le mental est excité, on ne peut plus l'observer pour savoir comment maîtriser l'excitation. Parce que l'outil même de l'observation ne marche plus comme on veut. Et c'est très difficile à comprendre comment maîtriser à ce moment-là. Donc, les sages nous conseillent de maîtriser le mental avant qu'il soit excité. En sachant que telle ou telle chose peut exciter le mental, donc on arrange notre satana, notre pratique, on arrange de telle façon pour éviter ce genre de choses. Par exemple, si quelqu'un sait qu'il est très faible envers la nourriture, par exemple envers la sucrerie, donc il doit éviter. Par exemple, ne pas regarder sur les vitrines, de boulangerie, par exemple, ou changer de trottoir, voyez, en sachant bien que ça va déranger. Comme ça, il va éviter, éviter en fait d'exciter le mental. Mais vous pouvez changer le trottoir et penser toujours que sur le trottoir en face, il y a une boulangerie dans laquelle il y a des gâteaux, etc., etc. Donc, et ça va de nouveau exciter notre mental. Donc, quelle est la meilleure façon de contrôler le mental? C'est de lui proposer en fait, un concept qui va le contrôler. Par exemple, j'en ai pas besoin ou j'en ai plus besoin. Par exemple, vous avez besoin d'une voiture, une super voiture, etc. À partir du moment où vous l'avez déjà, vous ne pensez plus à une voiture. Jusqu'au moment où cette voiture ne vous convient plus. Mais tant que cette voiture est avec vous, elle vous convient, vous ne pensez plus. Okay? Pourquoi? Parce que vous n'avez plus besoin d'une autre voiture. Donc pareil, en fait, quand on met, on reprend l'exemple de boulangerie, si nous pouvons mettre un concept dans notre intelligence que j'ai plus besoin des gâteaux, j'ai plus besoin de sucreries, donc automatiquement le mental ne va pas nous amener vers la porte de boulangerie. Okay? Donc, j'en ai plus besoin. C'est au départ nous pensons que c'est impossible de le faire. Comment je peux faire? Mais c'est tout simple. Vous dites que j'en ai plus besoin. Pour réussir, il faut qu'on comprenne que je ne suis pas ce corps. Parce qu'en fait, celui qui réclame en fait ces gâteaux, c'est le corps. Parce que l'âme ne demande pas le gâteau. L'âme demande la félicité. Et félicité peut venir, par exemple, de différentes choses. Par exemple, l'image de Krishna peut nous apporter la félicité. Krishna Katha, le discours sur le divertissement de Krishna, peut nous apporter la félicité. Même la philosophie peut nous apporter la félicité. Une bonne pratique peut nous apporter la félicité. Par exemple, on nettoie le sol et on regarde, Krishna regarde le sol, il dit c'est super. Ça peut nous apporter aussi beaucoup de félicité, voyez. Donc
L'âme a besoin de cette félicité, mais pas forcément que cette félicité doit venir des demandes de corps. C'est pour ça que Krishna, par plusieurs reprises, nous explique que nous ne sommes pas ce corps. Parce que le corps a certains besoins, parce que le corps, c'est un mécanisme. Il a besoin de carburant, il a besoin de ceci, cela, etc. etc. Mais quand on dit le corps, il ne s'agit pas que de corps grossier. Nous avons aussi corps subtil, hein, qui est composé de mental, de intellect et de faux ego. Okay? Et en fait, nous pouvons aussi jouir à travers le mental, à travers l'intelligence et le faux ego. Comme par exemple, on a une jouissance à travers la langue, les yeux et les oreilles. Pareil, il y a aussi les objets de gratification pour le mental. Par exemple, quand vous faites le mot croisé, par exemple, ou quand vous jouez le jeu d'échecs, c'est quoi ? C'est un divertissement, c'est une satisfaction de mental. Ou l'intelligence aussi, hein, peut nous faire en fait, gratifier ce sens. Par exemple, par certains concepts, comme, je fais quelque chose et je sais que je fais correctement. Par exemple, j'achète une perceuse Bosch bleue et je sais que c'est la meilleure. Donc, et je ne peux pas me tromper parce que je suis sûr que c'est la meilleure, etc. Donc ça, c'est des concepts, en fait, quand nos actes ou nos pensées correspondent à ces concepts qui sont dans notre intelligence, donc ça nous fait plaisir. Donc on commence à gratifier ce sens. Quel est le plaisir de sens de faux ego ? C'est aussi, par exemple, vous ouvrez un journal et vous voyez que votre photo est sur la première page dans le journal, il dit voilà, c'est moi. Voilà. Ou par exemple, on vous montre à la télé, on fait un entretien avec vous, etc. Ça, c'est moi. Donc, on peut donner des millions d'exemples comme ça. Mais en fait, pour pouvoir sortir de ça, nous devons comprendre que je ne suis pas ce corps-là, mais je ne suis pas non plus le mental, je ne suis pas non plus l'intellect et je ne suis pas non plus le faux ego. Je suis une âme. Donc, et comme nous avons expliqué, l'âme a besoin de félicité. En général, la félicité est toujours avec l'âme, sauf qu'elle est, un crédit invisible. Si on peut dire comme ça. On l'a, mais on n'est pas au courant qu'on l'a. Voyez ? Parce que l'âme ne peut pas, en fait, utiliser ce qu'elle n'a pas. Nous pensons que la félicité, c'est quelque chose que nous pouvons prendre ailleurs. Non. La félicité, c'est quelque chose qui nous accompagne toujours. La connaissance aussi, c'est quelque chose qui nous accompagne toujours. Ainsi que l'éternité, en fait, c'est quelque chose qui nous accompagne toujours. C'est les parties de notre être. Sauf qu'ils sont cachés par l'ignorance, par rajas et un peu par mishra sattva. Donc, parce que nous n'en avons pas, on commence à chercher à gratifier nos sens parce que nous ne savons pas que nous avons cette félicité. C'est comme quelqu'un qui est milliardaire, mais il n'est pas au courant et il mendie dans la rue, dans les métros, etc. Donc, l'homme conditionné, en fait, il ressemble à ça. Donc, au moment quand notre mental est excité,
le lien avec l'intellect, l'intelligence, est perdu, ce qui fait notre mémoire. Donc, quand ce lien est perdu, donc on perd la mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire perdre la mémoire? On n'a plus l'accès sur les données qui se trouvent dans notre intelligence. Et quand cet accès est coupé, le mental commence à agir selon dans la situation extrême. La situation extrême, c'est ça, vaincre à tout prix. Et, par exemple, il y a une boisson que vous adorez et vous voulez le boire, mais on vous dit il est empoisonné. Okay. Mais si votre désir de boire est tellement fort que le mental est déjà excité, vous pouvez complètement même oublier qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire le poison, quel est l'effet de poison. Même votre mental peut vous dire que tu vas boire et il y a un antidote, après tu vas boire, je ne sais pas, le Perrier et ça va enlever le poison que tu as avalé. Okay. Donc, la même chose s'est produit avec Indra Dev. En fait, son attachement pour être la seule personne dans cet univers qui a commis 100 Ashwamedha Yaga, lui a excité le mental et il a oublié qui est Prithu Maharaj. Pas seulement il a oublié qui est Prithu Maharaj, il a mis en danger aussi sa propre position d'Indradev, de roi du ciel. Hein? Parce que celui qui est le roi du ciel ne doit pas se comporter à cette façon-là. Quand on occupe une position aussi importante, les gens nous suivent. Hein? Si le président de la République, je ne sais pas, utilise la drogue, tous les citoyens peuvent utiliser sans problème, parce qu'ils vont dire, s'il l'utilise, nous on peut utiliser. Parce que si c'était mauvais et interdit, il ne l'utiliserait pas. Donc, mais Indra, dans cette excitation de mental, il a perdu sa mémoire complètement et il ne se rendait pas compte ce qu'il fait. Okay. Voilà pourquoi en fait les sages ne prennent aucune décision quand leur mental est excité. En fait, quelles sont les formes d'excitation mentale qu'on peut savoir? Donc, les différents types d'excitation mentale. Par exemple, l'envie, la haine. Peur, colère, intolérance, jalousie, inquiétude, etc., etc. Dans les états pareils, on ne doit jamais prendre une décision. Surtout si cette décision concerne les autres personnes. Par exemple, vous êtes responsable d'une entreprise, vous êtes chef de la famille ou le roi, le président, etc. Dans cet état, chaque décision que vous allez prendre va mettre en danger des millions de personnes. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit d'abord maîtriser le mental, le remettre dans un état paisible ou pacifique, et après réfléchir et prendre une décision. Les sages disent qu'on doit toujours agir avec la tête froide et le cœur chaud. Pourquoi? Parce que si la tête est froide et le cœur est froid aussi, donc nous ne pouvons plus manifester des qualités comme la compassion, par exemple, la bienveillance, etc., etc. Parce que ça, c'est les qualités de cœur. Et si le cœur est froid, on ne peut plus partager ce genre de sentiments. On sera très rationnel et cette attitude rationnelle peut nuire
les relations et nos actes en général dans la société. Okay. Donc, Indradev, il a utilisé en fait ses qualités mystiques, son pouvoir mystique, et il est devenu invisible pour voler le cheval qui était destiné à ce sacrifice Ashwamedha Yagya. Donc, les pouvoirs mystiques que nous avons depuis notre naissance, c'est ce que nous avons mérité par notre karma. Par exemple, tous les demi-dieux, ils ont les pouvoirs mystiques, ils ont mérité selon leur karma. Ça veut dire, par défaut déjà, par leur naissance, ils possèdent ces qualités mystiques. Mais Krishna leur donne ces qualités mystiques en même temps, en les plaçant là où ils peuvent utiliser ces qualités mystiques. Vous voyez ? C'est très important à comprendre, parce que quand quelqu'un utilise ses qualités mystiques pour des choses égoïstes, etc., etc., ses qualités mystiques retournent vers lui-même. C'est ce qui s'est passé avec Indradev. Donc, plus tard, dans le 10e chapitre, vous allez voir que Indra refait la même erreur quand il a su que Nanda Maharaj ne veut pas faire le Indra Yaga. il a répété la même erreur. Donc, et chaque fois, on peut poser la question, mais combien de fois on peut répéter la même erreur? On a déjà vu que Krishna est comme ça. On sait qu'en fait, il est seul et unique personne, etc. Mais on peut répéter la même chose millions de fois. Et pourtant, dès la première fois, on a su que c'est comme ça. La sagesse dit que, en fait, la stupidité est que quand on fait la même chose deuxième fois, en pensant que cette fois le résultat sera différent. Ça, c'est la stupidité. Okay. Par exemple, vous mettez une pierre dans l'eau et vous le tournez en pensant qu'il va être, il va dissoudre dans l'eau. Et après, deux jours après, vous refaites en pensant que peut-être cette fois-ci, ça s'appelle la stupidité. Donc, des fois, on fait les mêmes réunions, on prend les mêmes décisions et on pense que le résultat sera différent. Mais ce sera toujours le même résultat. Donc, d'où vient ça? C'est de tamas et rajas. En fait, d'abord c'est rajas, parce qu'on est très attaché à notre point de vue, on est très attaché à notre façon de faire, etc. Et nous sommes convaincus qu'il y aura des résultats comme ça ou comme ça. Et après, quand rajas devient immesurable, la personne tombe dans tamas, dans l'ignorance. Donc on va lire la suite. Verset 12. Lorsque le roi Indra emmena le cheval, il emprunta l'habit des êtres libérés. En fait, il s'agissait bien d'une tromperie, car ce vêtement évoquait faussement la religion. Alors qu'Indra s'éloignait dans l'espace, le grand sage Atri le vit et comprit toute la situation. Quand Indradev a volé le cheval de sacrifice, il était sûr que les Kshatriyas, parce que Prithu Maharaj, ses fils, et il y avait beaucoup d'autres Kshatriyas, les guerriers qui étaient là, sûrement ils vont riposter. Ils vont riposter tout de suite. Et pour se protéger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé sur lui-même les habits d'un sannyas en chaffron. Donc les sannyas, c'est un ordre de renoncement, hein, que l'on prend. Et
cet ordre, les gens qui sont dans cet ordre sont respectés. Pourquoi? Parce que s'ils portent un danda et il est habillé en safran, donc ça veut dire déjà il maîtrise ses sens, il est renoncé, donc, et il suit les principes de sannyas. Hein, par exemple, il mange seulement parce qu'on lui donne quelque chose à manger. Il ne doit rien faire pour obtenir la nourriture. Par exemple, il ne va pas travailler pour gagner de l'argent, pour acheter des choses à manger. Pour manger, sannyas doit mendier. Aujourd'hui, on trouve très peu de sannyas. Les sannyas ont leur compte en banque, beaucoup d'argent. C'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent manger, y compris la sucrerie, tandis que les sannyas, ils ne doivent pas manger la sucrerie. Donc c'est pour ça, Srimad Bhagavatam dit qu'en Kali Yuga, on ne doit pas prendre sannyas parce que on ne peut pas suivre ce degré de renoncement. Mais à cette époque-là, les sannyas étaient des vrais sannyas et Indradev savait qu'il suffit qu'il les gens le voient en sannyas, personne ne va oser le toucher. Donc, pour lui, c'était une protection 100%. Mais Atrimuni, c'est un sage au niveau universel, c'est un très grand sage, Atrimuni, qui était tellement qualifié pour distinguer d'un vrai sannyas, d'un faux sannyas. Dès qu'il a vu, parce qu'Indradev même a changé son visage, hein. Tout de suite il a eu la tête rasée, vous voyez, avec un shikha, etc. Donc, même un simple homme, si vous lui rasez la tête, etc., tout de suite il change l'apparence. Mais Indra a complètement changé et l'apparence et ses vêtements, mais Atrimuni était tellement qualifié, dès qu'il a vu, il a dit, ça c'est Indradev. Ce n'est pas un vrai sannyas, c'est un faux. Donc, ça, c'est la qualification d'un sage. Et donc, on va lire le verset 13. Verset 13. Lorsque le fils du roi Prithu fut informé par Atri de la supercherie d'Indra, il s'enflamma aussitôt de colère et se lança à sa poursuite pour le mettre à mort, en criant « Attends, attends !» 14. Le roi Indra s'était déguisé en sannyasi, avec les cheveux noués sur la tête et le corps couvert de cendres. Le voyant ainsi vêtu, le fils du roi Prithu le prit pour un être pieux, un vertueux sannyasi. Aussi ne lui décochait-il pas ses flèches. Donc, merci. Donc, vous voyez, quand Indradev a compris qu'il est démasqué, donc il a fait une autre... un autre show, et il a mis le cendre en fait sur lui-même. Il a pris l'image d'un autre sannyas, encore même pas sannyas, quelqu'un qui complètement renoncé de ce monde. Ce sannyas, il vit complètement nu, il rase pas des cheveux. Il ne coupe pas les ongles, etc. Et leurs vêtements, c'est le cendre, en fait, qu'ils récupèrent dans les crématoires. Les crématoriums, voilà. Et quand le fils de Prithu Maharaj a vu de nouveau ça, il a dit, peut-être Atrimuni s'est trompé. Parce que Atrimuni a bien instruit le fils de Prithu Maharaj en disant que voilà, Indradev a cette image
de sannyas, etc. Mais Indradev a changé de nouveau son apparence et comme ça, il a trompé encore une fois le fils de Prithu Maharaj. En réalité, l'irreligion à karma peut prendre différentes apparences, mais cette apparence ne va pas la transformer en religion. Okay. Souvent, quand des fausses religions, ils voient que ils n'ont pas de popularité dans ce monde, ils cherchent à amener plus de membres, etc., faire plus de membres. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils changent leur apparence. Par exemple, ils changent leur nom, ils changent leur, moyen de prédication, etc. Stratégie marketing, etc. Donc, mais ça reste la même adharma, la même irreligion. Okay? Donc, pareil, quand Indradev a changé son apparence, etc., il est resté toujours le même irreligieux. Donc, ça n'a rien à changer. Mais, vous voyez, Kshatriya, le fils de Prithu Maharaj, était un Kshatriya. Et les Kshatriyas respectent la loi. Il était quelqu'un qui respectait la loi et il savait qu'on ne peut pas punir un homme saint comme ça, arriver et lui couper la tête ou autre. Okay. Il respectait la loi et en pensant que c'est un homme religieux devant lui, et il ne l'a pas tué. Verset 15. Voyant que le fils du roi Prithu avait été trompé par Indra et qu'il revenait sans l'avoir tué, Atrimuli l'incita de nouveau à mettre à mort le roi des cieux. À ses yeux, Indra était devenu le plus vil de tous les devas du fait qu'il s'était opposé au sacrifice du roi Prithu. Donc, quand le fils de Prithu Maharaj est venu voir Atrimuni, Atrimuni de nouveau lui a ordonné de tuer Indra. Comme vous avez remarqué, en fait, les sages pouvaient donner des ordres aux kshatriyas. Et les kshatriyas, ils respectaient les sages. Pourquoi? Parce que les sages étaient qualifiés. Donc, on faisait confiance si un sage, un muni, un brahmana disait quelque chose. C'était égal comme si c'est de la personne suprême te dit en personne. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire confiance aux sages parce qu'il n'y en a pas. On a des habits des sages, mais on n'a pas des sages. Ça devient très compliqué aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le policier est distingué parmi les autres gens juste par la forme. Et c'est la forme parce que c'est écrit la police. Si tu enlèves en fait ce vêtement, il n'y a pas de qualité de police. Ou par exemple, ministre de l'éducation, juste parce qu'il occupe ce poste de ministre. Mais en réalité, il ne connaît pas la culture, etc. Donc, aujourd'hui, tout est dans l'emballage, mais pas ce qui est emballé. Voyez, c'est ça le problématique. Voilà pourquoi, en fait, la société d'aujourd'hui est toujours, toujours dans une situation critique et catastrophique. Mais à cette époque-là, dans laquelle se trouve notre épisode, les kshatriyas faisaient confiance aux grands sages. Hein, vous voyez, imaginez, Atrimuni dit, tu dois tuer le roi des cieux. Le roi des cieux, c'est quand même c'est la première personne parmi les demi-dieux, mais si Atrimuni a dit, il doit faire. Et c'est pas facile, hein, respecter la loi. Donc, et il a dit aussi, c'est pas juste, il a ordonné, mais aussi il a justifié. Il a dit, parce que nous sommes en train de faire un sacrifice
pour satisfaire Dieu, la personne suprême, et Indrade est en train de nous empêcher de satisfaire Krishna. Vous voyez ? Donc, comme ça, il mérite d'être tué. Verset 16. Alors, le petit-fils du roi Vena se lança aussitôt à la poursuite d'Indra, qui s'enfuyait précipitamment à travers l'espace, plein de rage. Il se lança à ses trousses, tout comme le roi des vautours lorsqu'il pourchassait Ravana. Verset 17. Lorsque Indra se vit poursuivi, il abandonna aussitôt son déguisement, laissa là le cheval et disparut à l'instant même. Alors le fils de Maharaja Prithu, ce grand héros, regagna l'arène sacrificielle de son père avec le cheval. Donc, comme vous voyez, Indradev, c'est aussi un kshatriya, et très très fort, c'est un très grand guerrier, mais il a eu peur du fils de Prithu Maharaj, parce qu'en fait, le fils de Prithu Maharaj héritait aussi les qualités mystiques de son père, la puissance de son père qui était une manifestation de Dieu, la personne suprême. Et pour cette raison, Indradev a eu peur et il a jeté en fait tout son déguisement et il est devenu invisible et il est parti. Donc, et le fils de Prithu Maharaj a ramené de nouveau le cheval de sacrifice à sa place. Verset 18. Verset 18. Ô Vidura, cher maître, lorsque les grands sages furent témoins de l'incomparable vaillance du fils du roi Prithu, ils s'accordèrent tous pour lui attribuer le nom de Vijitashva. Verset 19. Cher Vidura, Indra, le très puissant roi des cieux, recouvrit aussitôt l'arène sacrificielle d'une épaisse obscurité. Profitant des ténèbres, il s'empara à nouveau du cheval, qui était attaché par des chaînes d'or près de l'instrument en bois servant à immoler les animaux. Nous voyons en fait à quel point Indradev était attaché à cette idée d'être une seule personne qui a fait sans sacrifice de cheval. Donc il voulait à tout prix empêcher Prithu Maharaj de faire ce sacrifice. Mais il était prêt mettre sa propre vie en danger parce qu'il a vu que il peut être tué et pourtant cet attachement était tellement fort qu'il n'a pas pu résister et il a créé une sorte de ténèbre dans lequel on voit rien. Donc, et il a de nouveau volé le cheval et il a amené très loin de l'arène de sacrifice. Donc, nous faisons souvent cette erreur hein, parce que nous sommes attachés à quelque chose et nous pensons que absolument, il faut que j'obtienne ça, il faut que j'obtienne ça. Par exemple, on est attaché à un vêtement, on est attaché à un lieu d'habitation, par exemple. Absolument, on doit vivre dans la campagne, dans une maison, comme ça. Absolument, on doit avoir une vache, ou je ne sais pas, une voiture, etc. On est tellement attaché à cette idée-là qu'en fait, ça nous freine notre service dévotionnel. En fait, le plus à quoi l'attachement aux gratifications des sens peut nuire, c'est à notre service dévotionnel. Ça freine notre service dévotionnel. Pourquoi ? Parce que notre attention est déplacée de notre objet de méditation qui est Krishna, il est déplacé vers notre objet de gratification des sens.
à tel point que nous sommes en train de nous convaincre que sans cet objet de gratification de sens, le service dévotionnel n'est pas possible. Vous pouvez imaginer à quel point, en fait, le mental peut nous corrompre. Donc, c'est vraiment devient très grave. Par exemple, on dit que si on n'a pas une vache, comment on peut servir Krishna? Si on ne vit pas à la campagne, comment on peut pratiquer la conscience Krishna? Si nous ne sommes pas dans la vertu, comment on peut s'abandonner à Krishna? Et c'est des fausses, en fait, fausses idées, en fait, qu'il relance pour nous faire penser que, voilà, absolument, il faut que nous possédons cet objet de gratification des sens. Même des fois, ils disent que ce n'est pas une gratification des sens, c'est l'objet de notre service dévotionnel. Et à tel point, ou autrement dit, ça devient une fausse religion. Nous sommes en train de créer une fausse religion en nous-mêmes qu'on veut bien suivre nous-mêmes. Et donc, pour cela, il faut absolument avoir un atrimuni à côté. Ça veut dire un gourou. Il faut absolument avoir un gourou. Parce que, voyez même un super guerrier comme le fils de Maharaj Prithu, qui était impeccable dans l'application de son dharma, de son devoir, il était très fort, etc. Il était facilement trompé par Indra. Oui. Donc, on a besoin d'un gourou parce que toujours, il y aura une situation dans laquelle nous pouvons penser que nous sommes des gagnants, nous sommes sur un vrai chemin, etc., etc. Et nous pouvons aller et tomber dans le gouffre complètement. Verset suivant. Verset 20. Le grand sage Atri informa à nouveau le fils du roi Prithu de ce qu'Indra s'enfuyait dans le ciel. Le grand héros repartit à sa poursuite. Néanmoins, lorsqu'il vit qu'Indra tenait à la main un bâton coiffé d'un crâne et qu'il avait encore une fois revêtu l'habit d'un sannyasi, il s'abstint de le tuer. Vous voyez, en fait, Indra a fait le même truc. En fait, il a utilisé la même tromperie. Cette fois, il a pris une autre apparence d'un autre ordre de renoncement. Et il avait le danda, le français. Un bâton, en fait, de sannyas, d'un autre ordre. En fait, il porte sur le bout de ce bâton un crâne. Un crâne qui rappelle la mort, que la vie ne coûte rien parce que la mort va venir et va tout détruire. Ce n'est pas la peine de posséder des choses parce que tout va périr, etc. Donc, et chaque fois quand il regarde ce crâne leur rappelle en fait la vanité de ce monde, etc., etc. Et quand le fils de Prithu Maharaj a vu Indradev dans cette tenue, donc il a encore une fois ne l'a pas tué. Ces répétitions en fait de cet acte de fils de Prithu Maharaj peut dire aussi qu'il était très attaché au dharma, à son devoir. Lui aussi, il était attaché à son dharma. Donc, il fallait pas être aussi attaché. Des fois, en fait, il y a des situations, ce qu'on appelle adharma, où la loi peut être ignorée pour la loi.
Donc, en fait, pour préserver la loi, le fils de Prithu Maharaj devait tuer Indra, parce que c'était déjà la troisième version de fausse religion qu'Indradev a répandu. Donc, on dit que la dharma, l'irreligion, a commencé de Indradev. C'est Indradev qui a donné... Oui, que c'est Indradev qui a mis en route ces trois types de faux religions. Verset 21. Encore une fois avisé par Atri de la ruse d'Indra, le fils du roi Prithu s'enflamma de colère et plaça une flèche sur son arc. Voyant cela, le roi Indra quitta aussitôt son faux vêtement de sannyasi et, abandonnant le cheval, se rendit invisible. 22. Verset 22. Alors l'héroïque Vijitashva reprit le cheval et retourna à l'arène sacrificielle de son père. C'est depuis ce jour-là que certains hommes de peu d'intelligence, imitant en cela le roi Indra, se déguisent en sannyasi. 23. Verset 23. Les différents déguisements de sages errants que prit Indra, mus par le désir de s'emparer du cheval, étaient autant de symboles de la philosophie de l'athéisme. 24-25. Verset 24. Et c'est ainsi qu'Indra, voulant s'emparer du cheval sacrificiel du roi Prithu, adopta plusieurs formes de sannyasa. Certains sannyasis sont nus, d'autres portent parfois des vêtements rouges, se faisant appeler kapalika. Mais ce ne sont là que des symboles de leur activité répréhensible. Ceux qui mènent une vie de péché se sentent fortement attirés par ces prétendus sannyasis, car ces derniers sont tous athées et fort habiles dans l'art de présenter divers raisonnements pour soutenir leur théorie, sachant toutefois qu'ils ne font que prétendre suivre la religion. Malheureusement, des êtres égarés voient en eux des spiritualistes et, se sentant attirés par eux, gâchent leur existence. Comme nous avons su... Indradev, qui était poursuivi de nouveau par fils de Maharaj Prithu, il a jeté le cheval de sacrifice, il est devenu invisible et il est parti. Donc, ici, Maitreya Muni explique en fait que Indradev a donné un exemple comment on peut être un sannyas sans être un sannyas. Et ça veut dire juste mettre les habits de sannyas, avoir un comportement extérieur de sannyas et profiter en fait de cette position. Comme Maitreya Muni explique bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas des gourous, mais ils prennent des positions de gourous, qui ne sont pas des kshatriyas, mais qui prennent la position des kshatriyas, etc. Donc, le problème, c'est que le danger n'est pas seulement parce qu'ils sont des faux, c'est que les gens les suivent. Ça, c'est le plus dangereux, vous savez. En Kali Yuga, l'influence la plus forte entre trois gunas, c'est Tamaguna, c'est l'ignorance. Donc, les hommes de Kali Yuga ne sont pas très, très intelligents. Et il suffit d'avoir une théorie qui excite un peu le mental, tout de suite les gens le suivent. Hein. Nous avons par exemple les différentes associations pour la protection des animaux, mais ils sont des fausses. Pourquoi ? Parce que par exemple, on les voit, 30 personnes qui ont ramassé un dauphin sur le plage de la mer. Après, ils ont amené dans un laboratoire, on le lave, on le soigne, etc.
Après, ce dauphin est guéri. Et on montre à la télé comment on le remet de nouveau dans la mer. Et après, ces 30 personnes qui soignent ce dauphin, il revient, ils font un pique-nique et ils mangent les vaches et des poulets, etc. C'est absurde. C'est des fausses, c'est faux. Ça veut dire qu'ils ont l'apparence, ils ont le nom des protecteurs des animaux, etc. Mais ils ne sont pas, c'est juste une apparence. Et en Kali Yuga, par exemple, les associations en fait, qui doivent protéger telle ou telle chose, ils nuisent plus que protègent. Comme par exemple les associations de surveillance, de protection de l'environnement. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils trouvent une entreprise qui pollue en fait la nature. Donc ils font des photos, ils font un dossier et on va voir le propriétaire de cette entreprise avec ce dossier. Et le propriétaire dit, votre dossier coûte combien ? Ils disent par exemple 30 millions. OK. Et c'est fini. Ils disent que voilà, cette entreprise ne pollue plus. Tout est arrangé. Et donc, et aujourd'hui même, les produits bio que nous avons, ce n'est pas vraiment des bio. C'est écrit bio, mais c'est bio parce que c'est écrit bio. Ce n'est pas parce que c'est bio. C'est comme si je mets sur moi éléphant. Donc, maintenant, c'est éléphant, c'est écrit. C'est écrit. Donc, si c'est écrit, c'est un éléphant. Donc, en fait, pour éviter en fait, ce genre des absurdités, l'homme doit étudier les livres sacrés. Les études des livres sacrés nous donnent une base tellement stable, hein, tellement stable que ce genre d'épisodes que nous avons étudiés avec Indradev ne peuvent pas nous affecter. Ça peut se produire chaque instant, mais ça ne va pas nous affecter. Nous voyons chaque instant, par ici, par là, des trucs et on est vraiment, vraiment au bout de... pas au bout, frontière de croire, oui, mais après, tac, on remarque un symptôme qui dit non, c'est pas comme ça. Vous voyez, parce que les écrits comme Srimad Bhagavatam nous arment contre tout ce qui est faux. Donc, mais des fois, les propagateurs, on peut dire, les propagateurs de fausses religions, ils utilisent Srimad Bhagavatam comme outil pour propager la fausse religion. Donc, ils donnent leurs propres explications qui ne vont rien avoir avec la Siddhanta de notre Parampara. Ils peuvent utiliser à leur propre profit, leur propre intérêt, etc. etc. Pour cette raison, les Acharyas, les grands maîtres de notre alignés spirituels, ils ont donné aussi des petits livres, des petits ouvrages dans lesquels ils nous donnent l'orientation, comment comprendre qui est vrai gourou, par exemple le nectar d'instruction ou pas des Chambrita, donc dans lequel Rupa Goswami donne les symptômes ou les caractéristiques d'un vrai gourou, dont les caractéristiques d'un vrai pratiquant, d'un satakam. Parce que aussi, on peut dire, ah oui, tout le monde est dévot, tout le monde pratique la conscience Krishna. Et Rupa Goswami dit, si vous voulez savoir s'il pratique la conscience de Krishna, je vous ai donné six points qui sont favorables pour la pratique de la dévotion et six points qui sont pas favorable.
Si vous appliquez ces six points sur quelqu'un et vous voyez que c'est parfait, donc cette personne est en train de pratiquer la conscience Krishna. Sinon, c'est quelqu'un qui a une idée différente de bhakti, mais il utilise bhakti, la méthode de bhakti, pour obtenir quelque chose de personnel qui n'est pas l'objet de bhakti. Donc, Srimad Bhagavatam a une méthode extraordinaire. Il enseigne sur les cas. Ce n'est pas juste un traité théorique. Srimad Bhagavatam prend un cas, par exemple, comme le cas de Prithu Maharaj. Il prend ce cas-là et il enseigne à travers ce cas-là. Et ça, c'est la méthode la plus extraordinaire. Parce que si c'était juste une théorie qui dit il ne faut pas voler, il faut être honnête, il faut respecter les gens, il faut respecter la loi, etc. On veut dire oui, je respecte, mais je respecte à ma façon. Oui, je suis gentil, mais je suis gentil à ma façon. Donc, j'ai le droit d'être comme je suis. Il faut que vous m'acceptiez comme moi je suis. Donc, aujourd'hui, vous savez, il y a des millions de théories comme ça. Les gens se répandent ça. Même aujourd'hui, les malades commencent à créer les sociétés des malades. Hein. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. Et à la place d'accepter que nous sommes malades et on a besoin d'être guéri, etc., disent non, c'est relatif. Qui a dit que nous sommes malades? C'est les autres qui sont malades parce qu'ils sont différents de nous. C'est pour ça qu'à leurs yeux, nous sommes malades. Non, 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 c'est le contraire. Et après, ils créent par exemple, l'obésité, c'est une maladie. Okay? Mais par exemple, en Californie, c'est devenu une société des obèses. Donc, ils ont créé un univers de l'obésité. Ils disent que non, c'est une façon d'être. Moi, je veux bien être comme ça. Donc, ils ont leurs esthéticiennes qui viennent, qui leur fait des ongles, des pieds, etc. Ils font de la coiffure, mais ils pèsent, par exemple, 250 tonnes. Non. 250 kilos, ils ne peuvent plus bouger. Okay? Et vous savez, quand vous ne bougez pas longtemps, en fait, les organes, ils commencent à se coller entre eux. Donc, il faut qu'on bouge. Donc, et vous avez quelqu'un qui arrive chez vous et qui commence à bouger votre ventre comme ça, ouais, pour que les organes, en fait, ne se collent pas entre eux. Après, il prend votre pied, il commence à bouger comme ça, comme si vous êtes en train de faire la gymnastique, etc. Donc, c'est devenu un quotidien, en fait. Ils disent, même il y a des journaux porno, des obèses. Ils disent, ben nous aussi, on a notre relation sexuelle à notre façon. Nous avons aussi, ils font des défilés de mode, des obèses. Donc, ils disent, nous avons créé une autre société alternative et ça marche très bien. Il y a des magasins pour les obèses, il y a des voitures pour les obèses, des sièges spéciaux. Par exemple, si vous venez de la Californie, vous pouvez commander une siège pour les obèses. Donc, à la place de dire, mais attendez, c'est une maladie, vous êtes en train de vous détruire, qu'est-ce qu'on fait pour gagner l'argent? On les a convaincus que non, c'est une autre façon d'être. Donc, c'est très bien, continuer, on fait tout, les magasins de vêtements pour... même maintenant, il y a de l'autre couture qui est pour les obèses. Donc, ça devient de plus en plus affreux. Les gens sont dans une absurdité vraiment extraordinaire. Donc, on a pris juste un exemple, mais vous pouvez imaginer combien de types de sociétés maintenant, par exemple, l'association des amateurs de fromage. C'est absurde. C'est tellement stupide. Vous imaginez les dimanches, les jours fériés, ils se rencontrent
pour parler de fromage, pour partager le fromage. C'est insensé, c'est stupide. Vous voyez? Bon, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Il y a beaucoup. Hein? Non, la dernière fois on a parlé aussi de l'association de défense des naines de jardin. C'est une association française. De défense. Mm-hmm. Il y a une autre association. Je ne suis pas sûr ce qui ça s'appelle comme ça. La société de la pureté de chocolat. Pureté de chocolat. Parce qu'ils luttent que le chocolat doit être pur, sans mélange dedans, sans des additifs, des trucs. Bon, ils luttent, ils vont dans les entreprises qui fabriquent les chocolats pour voir. C'est ça la prévention. Donc, ça devient une religion, en fait. Il y a plein de religions dans lesquelles ils ont leurs acharyas aussi. Paul Cézanne, le grand peintre français Paul Cézanne, dans une de ses lettres, il a écrit que, en fait, l'art est aussi une religion. Donc, en fait, il voulait dire que aussi, à travers l'art, on peut joindre Dieu, la personne suprême. Mais les gens n'ont pas compris. Nous avons, en fait, c'est ce qu'on appelle Chitra Yoga. En fait, c'est l'art. Hein. L'art d'être lié à l'absolu, à Dieu, la personne suprême, au moyen de l'art. Hein. Par exemple, au moyen de chant, de la danse, de théâtre, de décoration, il y a plein d'autres comment servir la table, comment parler, l'art de l'élocution, etc. On n'entend pas. Est-ce que tu peux parler fort? Je veux demander concernant l'aspect. Parce que la dernière fois, tu as raconté des choses sur la nature de prospérité. On est dans la vertu, on peut se tromper très facilement quand on a l'austérité. Comment faire que, parce que l'extérieurement, on voit rentrer quelque chose de bien et quelque chose de bien à l'intérieur, comment gérer ça à l'intérieur? Donc, Rupa Goswami a donné le terme de Yukta Vairagya. Donc, le Vairagya, c'est le renoncement, l'austérité. Et le mot Yukta veut dire ce qui nous lie. C'est un peu comme yoga. Le mot Yukta ressemble au mot yoga. Donc, ou autrement dit, Yukta Vairagya, on peut traduire comme en fait le renoncement ou l'austérité qui nous lie à Seigneur suprême. Donc, quel est le principe?
Après, il nous acceptons ce qui est favorable pour service dévotionnel et nous rejetons qui n'est pas favorable pour service dévotionnel. Ça, c'est le sommet de l'austérité. Car la chose elle-même ne peut être ni austère, ni pas austère. Par exemple, pour quelqu'un, par exemple, ne pas manger des courgettes, c'est austère. Et pour quelqu'un, c'est le contraire, parce qu'il déteste les courgettes. Donc, on ne peut pas définir, en fait, l'austérité par l'aspect de l'acte, mais par ça, on peut la définir par le but. Ok ? Et le sens, en fait, le sens de bhakti, de service dévotionnel, c'est faire plaisir à Shri Krishna, de la personne suprême. Okay? Donc, pourquoi nous renonçons quelque chose? Parce que ça ne plaît pas à Krishna. Des fois, on dit que voilà, manger de la viande, c'est mauvais pour la santé, etc. On explique ça aux autres parce que les gens n'acceptent pas Krishna. Mais à ceux qui connaissent Krishna, même en tout petit peu, on dit tout simplement on ne mange pas la viande parce que ça ne plaît pas à Krishna. C'est tout. Donc on ne boit pas l'alcool parce que ça ne plaît pas à Krishna. Okay. Et si Krishna demain va venir, il dit bois l'alcool et mange la viande, on va le faire. Pourquoi? Parce que ça plaît à Krishna. On a 100% confiance à Krishna. 100%. Okay. Ce n'est pas un acte aveugle, hein, comme certains peuvent dire que vous suivez Krishna aveuglément, etc. Non, on suit, on fait 100% confiance à Krishna. Pourquoi? Parce qu'on l'a connu, on l'a découvert avec toutes ses qualités, avec tout ses facultés. Comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis le meilleur ami de l'être vivant. Est-ce que quelqu'un entre nous peut dire qu'il est le meilleur ami? Même pour notre femme, pour notre enfant, pour notre mari, on ne peut pas aller jusqu'au bout. On s'arrête quelque part. Parce que, en fait, notre degré de tolérance arrive jusque-là et on ne peut plus le suivre. On s'arrête là. Par exemple, quand on nous met dans la prison, Krishna va rester en prison avec nous. Mais les amis, les membres de famille ne peuvent pas aller jusque-là. Okay? Mais si on m'a donné 25 ans de prison, Krishna va rester avec moi 25 ans dans la prison. Pourquoi? Parce qu'il est le meilleur ami. Il a dit et il le fait. Vous voyez, c'est très important. Comprendre ça et pas seulement que juste des règles inventées. Quand on suit les quatre principes, nous ne mangeons pas de la viande, on ne boit pas d'alcool, on ne fume pas, on ne joue pas au jeu d'hasard et on ne rentre pas dans les relations sexuelles illicites, on sait que ces lois-là, hein, ces restrictions sont données par Krishna pour notre bien, pour notre progrès spirituel. Et on croit 100% en Krishna. On n'a pas de doute. Et en fait, ça, c'est la meilleure façon d'être austère et faire de l'austérité. Parce que, en fait, on peut nous retenir à certains degrés, mais ce n'est pas la meilleure façon d'être austère. Voilà pourquoi, en fait, la meilleure façon d'être austère, c'est de toujours penser, faire plaire à Krishna, en fait. Et ça, c'est le sommet de l'austérité. Parce que extérieurement, je peux être vraiment très, très renoncé. Tout le monde va dire, oh, il n'a pas mangé 30 jours, oh là là, il est très austère. Mais peut-être, ça me fait plaisir.
ça me fait plaisir. Quand je ne mange pas 30 jours, je me sens très bien, etc. Ce n'est pas que je fais un plaisir à Krishna. Donc, ce n'est pas une vraie austérité. Hein? C'est pour ça que ça s'appelle Palgu Vairagya, le faux renoncement. Par exemple, si vous avez 3 millions et vous prenez ces 3 millions et vous le jetez dans la poubelle, vous dites « je renonce ça ». Ça, c'est une fausse austérité. La vraie austérité, c'est prendre ces 3 millions et les utiliser pour Krishna. Ça, c'est compliqué. Okay? Par exemple, abandonner la famille, c'est très facile. Je prends sannyas, hop, j'abandonne la famille et je dors tranquille maintenant. Oh là là, c'est super. J'ai plus de soucis, les enfants et tout ça. Fouf, je suis tranquille. Ce n'est pas la vraie austérité. La vraie austérité, c'est de rester et faire des efforts pour que ces enfants et cette femme deviennent conscients de Krishna. Ça, c'est de l'austérité, véritable austérité. Si vous avez d'autres questions. Oui, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. C'est là le cheap price. Vous avez soufflé, oui. Est-ce que tu... Cheap rice. Non, c'est le festival du riz soufflé. Je traduis par petit morceau parce que. Est-ce que yaourt? C'est juste. En fait, tu parles de festin qui était organisé par Nityananda Prabhu et Das Goswami, Raghunath Das. Raghunath Das Goswami. Donc, en effet, c'était en fait cette tradition est devenue une tradition parce que c'est très spectaculaire et c'est très extatique. Raghunath Das Goswami, c'est un des six Goswami de Vrindavan, on les appelle comme ça, quelqu'un qui est vraiment l'exemple de vrai renoncement. Donc, ça tombe vraiment bien. Il était né dans une famille très riche, mais dès sa naissance, il était toujours attiré par Krishna. Et quand il a su, quand on lui a raconté, ou il a su l'existence de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Il a voulu absolument le rencontrer, absolument, à tout prix. Mais dès son petit âge, il s'intéressait pas aux jeux des enfants, des trucs comme ça. Il préférait rester seul, lire, étudier les livres. Il avait des murtis qu'il il adorait. Même son père avait un petit temple. Il avait un petit temple dans son... dans sa propriété, un temple familial où il y avait des brahmanas qualifiés qui faisaient l'adoration, etc. Il passait beaucoup de temps à l'intérieur de ce temple. Et déjà, quand il avait 12 ans, il voulait aller rencontrer Sri Chaitanya Mahaprabhu. Une fois, il a déjà rencontré quand Sri Chaitanya Mahaprabhu passait à côté, mais il n'a pas pu vraiment aller avec lui. Hein? S'associer avec lui et aller avec lui parce qu'il a dit que tu dois rester à la maison, tu dois écouter tes parents, les servir, etc. Et ça lui a rendu très très triste. Et chaque jour, il tentait à fuir. Chaque jour, il fuyait, on l'attrapait, on l'a ramené. Chaque jour, c'est devenu une tradition. En fait, et son père a créé une équipe de... chasse. Il y avait un groupe de 10 personnes à peu près et qui était prêt chaque matin quand on se levait, on voyait que
Raghunath Das Goswami n'est pas là, hop, on se mettait, on l'attrapait, on le ramenait. Okay. Et une fois, en fait, il a su que Shri Nityananda Prabhu, le grand gourou de l'univers, une autre manifestation de Krishna importante, Shri Nityananda Prabhu, passe des divertissements pas loin de là où il habite. Donc, il a demandé à ses parents de lui laisser aller le rencontrer. Et ils ont dit avec une condition que toute cette équipe de surveillants va venir avec toi. Tu n'as pas le droit de partir sans eux. Ils vont te suivre partout. Comme ça. Il a dit OK. Il a pris beaucoup, beaucoup d'argent, en fait. Et il est allé là-bas. Quand il est allé de loin, en fait, il s'est prosterné on ne peut pas dire devant parce qu'il était loin, mais il a rendu ses hommages à Shri Nityananda Prabhu. On a dit à Nityananda Prabhu que regarde là-bas, Raghunath Das Goswami, il présente ses hommages à toi. Et Nityananda, en riant, il a dit hey, voleur, viens ici. voleur. Donc, et les acharyas expliquent de différentes façons pourquoi Nityananda Prabhu l'a appelé voleur. Certains disent que c'est parce qu'il a volé le cœur de Shri Nityananda Prabhu, il a volé son attention, etc. Il y a plusieurs explications à ça. Il a dit parce que t'es un voleur, donc je vais te punir. Donc, tu dois nourrir, en fait, tous les dévots qui sont là avec le riz soufflé mélangé avec du yaourt. Et en fait, Raghunath Das Goswami, il avait beaucoup, beaucoup d'argent avec lui. Je ne me souviens pas de tous les détails. C'est un lila extatique, en fait. Je vais raconter vraiment 30% de cet épisode. Donc, il est allé avec sa suite. Ils ont allé voir les vendeurs de riz soufflé. Et en fait, ces vendeurs de riz soufflé, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Et ils ont dit aux autres vendeurs que voilà, là, il y a quelqu'un qui achète tout. Et plein de vendeurs de riz soufflé, de yaourt. Et pas seulement ça, vous savez comment ça marche, ils disent quelqu'un achète de la nourriture et plein de commerçants ont commencé à amener du miel, je sais pas, des bananes, des trucs comme ça. Ils ont des brahmanas qui étaient là, ils ont offert tout ça et ils ont commencé la distribution. Même si je me souviens, chez Nityananda Prabhu a évoqué chez Chaitanya Mahaprabhu qu'il vient. Et ils s'assoient à côté, ils ont commencé à mettre le riz mélangé avec yaourt l'un dans la bouche de l'autre, comme ça. Mais Krishna Das Kaviraj Goswami disait que certains ne voyaient pas Shri Chaitanya Mahaprabhu et ils ne comprenaient pas pourquoi Nityananda Prabhu il prend le riz et il met comme ça dans l'air à côté. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'est ce geste. Mais les dévots les plus proches à Shri Nityananda Prabhu, ils voyaient en fait Shri Chaitanya Mahaprabhu assis à côté et Shri Chaitanya Mahaprabhu mettait aussi dans la bouche de Nityananda, parce que pour certains qui ne comprenaient pas non plus pourquoi Shri Nityananda Prabhu, des fois, il ouvrait la bouche comme ça. Et après, quand tout le monde était bien nourri, il y avait des milliers de personnes qui sont venues pour goûter ça. Et après, Shri Nityananda Prabhu a donné son assiette avec le reste de son Mahaprasad. Il a donné
Raghunath Das Goswami. Et Raghunath Das Goswami a fait une grande, grande donation à Nityananda Prabhu. Et Nityananda Prabhu a dit, je sais qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Tu as le désir de rejoindre Sri Chaitanya Mahaprabhu. Très bientôt, ça sera possible. Et un jour, c'était tôt le matin, à peu près comme à 2h du matin, le brahmana qui s'occupait de leur temple familial est venu dans la propriété de son père pour dire que en fait le pujari a quitté son poste et ce matin il n'y a personne qui va réveiller les murtis, les nourrir, etc. Et parce que Raghunath Goswami, il a entendu en fait le bruit, il était le premier qui l'a su en fait. Il a dit ne réveille pas mon père, en fait je vais tout arranger, t'inquiète pas, tu peux partir. Donc quand ce brahmana est parti, Raghunath Goswami a fui. Mais cette fois-là, il a fui définitivement. Il a pris un chemin que les autres ne connaissaient pas. Il partait par les jungles comme ça. Et le groupe d'attrapage n'a pas pu l'attraper et le ramener à la maison. Comme ça, il est allé se joindre à Jagannath Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et là aussi, parce qu'on a parlé de l'austérité, il était vraiment bien accueilli par la société des Vaishnavas. Et après, quand son père a entendu, en fait, il y avait quelqu'un qui est venu dans le village de son père, qui est venu de Jagannath Puri, et il a dit, est-ce que tu as par hasard, le père de Raghunath Das Goswami a dit, est-ce que par hasard, tu as entendu quelque chose sur mon fils? Il a dit, je ne sais pas, mais il y a un Raghunath Das que tout le monde l'adore, c'est un grand Vaishnava, etc. Et il a su que c'est son fils. Il a envoyé une dizaine de personnes avec des tonnes de riz, de ghee, de sucre, des choses comme ça, et des super cuisiniers pour qu'il cuisine pour son fils. Mais Raghunath Das Goswami, en fait, tout ce qui était cuisiné, il invitait toujours Sri Chaitanya Mahaprabhu, tous les autres sannyas, tous les dévots pour les nourrir. Mais un moment, quelques mois après, Sri Chaitanya Mahaprabhu voit qu'il ne reçoit plus des invitations de la part de Raghunath Das Goswami. Et il s'est inquiété, il a dit... il a demandé à Swarup Damodar pourquoi... Das Goswami, on l'appelait Das Goswami, comme on dit par exemple Jaga, court, comme Patita, Raghunath Das Goswami, on l'appelait Das Goswami. Il dit, pourquoi Das ne nous invite plus? Et il a dit, parce qu'il considère qu'en fait, c'est, pour un sannyas, c'est trop opulent, ce repas est trop opulent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va... devant les portes de temple de Jagannath Puri et il mendie et les gens lui donnent un peu de prasad et il se nourrit de ça. Et après, quelques temps après, Chaitanya Mahaprabhu a su qu'il ne mange plus ce prasad parce que pour lui c'était aussi opulent. Donc, et il allait dans les endroits où on jette le prasad. Même, c'est le prasad qu'il est tellement déjà fermenté que même les vaches ne mangent plus. Donc, il prenait en fait le riz, il le lavait et il mangeait ça. Donc, et quand Sri Chaitanya Mahaprabhu a su ça, il a demandé où il prend ce prasad. On lui a indiqué l'endroit et Sri Chaitanya Mahaprabhu est allé là-bas. Et Swarup Damodar Goswami, il le suivait. Et de loin, il a vu comment il est en train de laver sa vie. Et quand il s'est approché à Das Goswami, Das Goswami
il a vu chez Chaitanya Mahaprabhu, il a caché sa fille. Et Chaitanya Mahaprabhu a dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Montre-moi, montre-moi. Et avec la force, il a pris ce riz et il a commencé à manger. Il a dit que, tu sais, dans le monde entier, dans tout l'univers, chaque jour, on m'offre des différentes nourritures, des tonnes de riz, de toutes sortes, de toutes variétés, de toutes les recettes, mais je n'ai jamais mangé un riz aussi bon. Et dès qu'il a tendu sa main pour prendre encore, Swarup Damodara l'attrapait la main de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Non, mon Seigneur, ce riz n'est pas pour toi. Laisse que les autres goûtent aussi. Donc, c'est vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui nous montre l'austérité. L'austérité n'est pas notre but. L'austérité, nous ne pouvons pas considérer comme bhakti. Mais l'austérité, c'est un outil de bhakti nécessaire. Nous ne pouvons pas, en fait, gratifier nos sens. Nous ne pouvons pas vraiment vivre sans aucune restriction et progresser dans le bhakti. Chaque corps a ses limites. Il y a des austérités que nous ne pouvons pas faire. Mais le problème est là quand on dit « c'est pas grave ». Ça, c'est grave. Par exemple, je ne peux pas ne pas jouer le jeu d'hasard. Chaque fois, je passe à côté de, comment ça s'appelle, le tabac, et j'achète un truc, je gratte et je dis « je... non ». Et je dis, mais je ne peux pas m'empêcher, vous savez, je ne peux pas, je suis comme ça et c'est tout. Ça, c'est grave. Quand on arrête de lutter, ça, c'est grave. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment grave. Mais Krishna accepte nous, même avec nos défauts, quand on lutte chaque jour. Chaque jour, par exemple, on dit, chaque jour, on achète un paquet de Marlboro. Et le soir, on dit, je ne vais plus fumer. On le casse, on le jette dans la poubelle. Le lendemain matin, on voit qu'on ne peut pas. On cherche dans la poubelle un mégot. On commence à fumer et on regrette. On regrette, on dit, c'est fini. Je vais m'attacher à une chaise, je m'attache, etc. Et le lendemain matin, je prends ce mégot et de nouveau, je recommence. Ça, Krishna peut accepter si on regrette. Vraiment, on regrette dans notre cœur. Mais à partir du moment quand on dit « moi, je suis comme ça, c'est mes limites, donc vous devez m'accepter comme ça », Krishna va dire « non, 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 je ne vois pas tes efforts ». Vous comprenez? Donc, il ne faut pas dire que voilà, c'est mes limites, vous devez m'accepter. Non. Ça peut se répéter infiniment, vous savez. Krishna va dire « ok, ce n'est pas grave, je t'accepte parce que je t'ai vu comment tu t'es attaché à cette chaise-là ». Comment t'as cousu ta bouche pour ne plus fumer. Je vois tes efforts parce que t'es pas d'accord. Même, c'est pas grave si t'as fumé. Krishna peut pardonner, mais nous, on ne doit pas pardonner à nous-mêmes. Vous comprenez? Ok. Hare Krishna, cher dévot. Shishimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.